Salut, salut, on se retrouve pour la partie 2 du Hall Action. Donc, ben oui, je vous ai dit, il y avait quelques petites choses, mais en fait, comme si on détaille tous les articles, effectivement, ça prend plus longtemps. Et du coup, je vais vous montrer ben, la suite. Hein. On est parti. Alors, du coup, j'ai pris ces stickers pour continuer pour mon journaling. Donc, vous voyez, là, celui-ci. Celui-là, je le trouve moyen. Bon, il y a deux pages, hein. Mais j'aimais bien les couleurs et puis j'aimais surtout bien cette planche avec le rocking chair et les deux bandes là, j'aimais beaucoup. Donc c'est pour ça que j'ai pris cette bande, ce paquet. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. Ensuite, en deuxième, j'ai pris celui-ci et je l'ai pris deux fois parce que je le trouve trop beau avec les fleurs, les taches. Ici, il y a un rondin de bois. Et de l'autre côté, vous avez un tournesol. Vous savez maintenant que j'aime les tournesols. Le fauteuil. Désolé, je vais faire une référence à Emmanuel, mais c'est totalement ça. C'est le fauteuil Emmanuel. Hein, c'est ce qu'on dit. La lune, l'entourage. Franchement, c'est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Alors, je vous donne pas les prix, hein, parce que bah, je m'en rappelle plus. Et puis bon, bah, c'est du Action. Donc voilà. Ça, c'est pas du Action. Ça c'est pas du Action, ça c'est pas du Action. Ah, ça c'est du Action. J'ai pris deux rouleaux de double face. Pareil, hein, qu'il faut doubler parce qu'à un moment donné, il se décolle le double face de chacun. C'est pas le double face super super. Donc c'est vrai qu'il faut des fois le doubler avec de la colle. Ensuite, j'ai trouvé un nouveau. Alors ça, c'est des nouveaux, hein, parce que je les avais jamais vus avant. Il y en avait plusieurs. Il y avait plusieurs boîtes. Mais honnêtement, j'en ai pris qu'une parce qu'il n'y avait qu'un set qui me plaisait. De 24 washi. Alors, je ne sais pas si je vais les sortir parce qu'en fait, le truc qui doit être fait exprès. Je vais regarder. Attendez. On va voir comment ils s'ouvrent les. Ouais, on a du mal à les tourner. Alors attends, je vais vous les sortir. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté un bloc avec des cupcakes et tout dans un autre haul. Et bah du coup, j'ai bien aimé ces washi-là parce que en plus, c'est des washi plus ou moins translucides. Et là, vous voyez, vous avez des belles fleurs pour l'avec. Là, vous avez pareil des boissons, genre café, tout ça. Donc ça peut aller avec les blocs en plus que j'ai acheté. Pour faire mon journaling, ici vous avez des fleurs encore. Ça fait très vintage et j'aime beaucoup. Et c'est pour ça que j'ai pris ce lot. Donc là, il y en a 24, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, plus 12, 24. 24 de 3 mètres. Donc l'épaisseur n'est pas super, super grosse. Mais ça va faire le job. Le temps que j'utilise tout, j'ai envie de dire que ben voilà, j'en aurais peut-être retrouvé d'autres. Puis j'en ai plein d'autres des washi. On en a tout un. Hein. Mais du coup j'ai bien aimé et c'est pour ça que j'ai repris comment ce lot. Alors vous pouvez peut-être éventuellement vous en servir pour couper, même pas hein. Quoique là si en le mettant comme ça, vous voyez, vous venez coller ici et puis après vous le coupez au ciseau parce qu'il n'y a pas de petites dents. C'est dommage, ils auraient dû faire des petites dents ici pour le découper, mais bon, c'est pas grave. Je le trouve trop beau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'adore. Et en dernier, chez Action, je crois que c'est tout. Ah non, il y a encore un truc. J'ai trouvé le nouveau bullet journal de chez Action, sachant que je m'en servirai pas comme bullet. Moi, j'aime bien les carnets pour faire ce que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de faire du journaling dessus, je fais du journaling. Si j'ai envie de faire de l'art journal, je ferai du art journal. Faut juste mettre un peu de gesso parce que voilà, les feuilles sont fines. Mais moi je sais pas, je pense pas me faire un bullet journal, j'ai pas la patience pour ça. J'ai essayé hein, de faire du bullet, mais du coup je ferai des pages comme moi j'aurais envie. Surtout que je vais avoir besoin de me vider la tête début septembre, hein. Vous savez, ma doudoute elle part. Et du coup, bah, je vais être obligée de m'occuper l'esprit pour pas trop y penser. D'ailleurs là j'essaie de penser aux choses, mais bon. Ça arrive plus vite qu'il ne faut pour le dire, hein, puisque nous partons samedi prochain l'emmener. Donc voilà. Et en dernier, j'ai pris un paquet de lingettes parce que j'en avais plus dans ma véranda. Ils ont séché. C'était plus des lingettes humides, c'était autre chose. Du coup, voilà, j'ai repris un paquet de lingettes. Ça, c'est tout. Pour Action, c'est tout.
Du coup, j'ai trouvé d'autres trucs ailleurs. Chez Noz, j'ai pas trouvé grand chose. J'ai trouvé deux trucs qui m'intéressaient, du coup je les ai pris. Je me mets tout dans le sac parce que sinon ça prend une place de fou. J'ai trouvé ce petit classeur. Alors c'est un classeur Disney Fairy, mais bon, on s'en fout un peu. Hein. Je l'ai pris parce qu'il est tout petit. Et avec ma cricket, je vais me faire des pochoirs et du coup je vais pouvoir les trouilloter et les ranger dedans. Alors celui-là il est un peu grouant. Je peux le mettre, regardez. Hop. Sans le trouilloter, je peux le mettre et je peux ranger mes pochoirs dedans. Donc faire des intercalaires, marquer fleurs, forme géométrique, machin et tout. Et donc je trouve ça plutôt cool. Donc j'ai payé ça 59 centimes. Donc ça va, c'est pas excessif non plus. Hein. Ensuite, j'ai trouvé ces boîtes à 1,50€. Excusez-moi, j'ai tissé. Ces boîtes, vous savez, c'est des boîtes pour ranger. Donc, je vais voir comment m'en sortir. Là, vous voyez, il y a le trou. Donc, vous rangez tout dedans. Et là, vous le mettez comme ça. Et puis quand vous avez besoin de quelque chose, vous tournez, vous allez le chercher. Voilà. Alors, moi, je trouve ça plutôt sympa. Du coup, j'en ai pris. C'est 1,50€. Alors, celle-ci, c'est 2 crochets, manifestement. Il faudrait peut-être que je la remette. Non, ça ne se voit pas comme ça. Si, à mon avis, ça va être dessus. Ou alors, c'est normal que celle-ci soit décrochée. Je ne sais pas. Ah non, regardez. Voilà, je l'ai replacée. Donc, les 6 se vont ensemble. Mais de toute manière, si vous ne les décrochez pas, vous ne pouvez pas atteindre en dessous. Ah bah si, ça sort de là. Je suis bête. Donc là, donc il faut bien vous pouvez bien les remettre comme ça, les 6 accrochées les unes aux autres. Voilà. Ou les séparer et en avoir qu'une. Voilà. Donc ça, c'était Noz. Et en dernier, on est allé chez Aldi parce que j'avais besoin d'œufs. Et je suis tombée là-dessus. Une Dimo électronique. Je vais l'ouvrir. Hein. J'aime pas ces emballages. J'ai toujours peur de me couper les pattes. Pour faire les étiquettes. Alors, j'ai ma Dimo à main. C'est clair que j'aime beaucoup parce que ça fait très vintage. Mais ça faisait un moment que j'avais envie de m'acheter une Dimo comme ça. Ces chaussettes. Donc, j'avais toutes les piles avec. 2, c'est un bouffeur. Ça, par contre, beaucoup de piles. Hein. 6 piles, c'est un bouffeur de piles, le truc. Voilà. Alors, ça se met où? Ah, là peut-être. Ah oui, c'est fini. Oupsi. On les teste hein, comme ça. Au moins, si ça ne marche pas, je peux la ramener. Ça fait un moment que j'en voulais une comme ça. Et la prochaine que je vais m'acheter, ce sera une pour les rubans. Pour les rubans tissu. Voilà, c'est ça que je cherchais. Ruban tissu. Donc là, j'ai là une à main. Maintenant, je vais en avoir une à pile. Hop. Maxwell. Non, t'as pas le droit. Donc ça. Je suis désolée, ça me fait penser à ça. Donc, Hop. Attendez, hop. Ça faisait un moment que j'en voulais une. Du coup, je suis tombée dessus chez Aldi. J'ai dit, tiens, si elle est là, c'est que je dois la prendre. Alors du coup, je l'ai prise. Et j'en profite, c'était que Doudou était toujours là.
Parce que quand elle va plus être là, je pense que je ferai nettement moins les magasins. Parce qu'en fait, si j'aime faire les magasins, c'est parce que je suis accompagnée de Jade, hein, soyons clairs. Moi, si je suis toute seule, j'aime pas ça. Donc, alors on l'allume, voilà, c'est allumé. Est-ce qu'il y a déjà un... Ouais, il y a déjà une truc dedans. Alors par contre, je sais pas comment ça marche. On va écrire RACHE. L, print. Je coupe. Et voilà. C'est écrit mon prénom. Alors c'est tout con. Franchement, c'est tout con, mais j'aime beaucoup. Donc j'en ai repris un rouleau. Et je vais en avoir un deuxième. Voilà. Et donc j'essaierai d'en trouver des noirs, des couleurs et tout ça pour pouvoir avoir. Et là je l'ai fait en majuscule, mais je pense qu'on doit pouvoir shift del. Parce que vous voyez, on peut faire du style. Donc shift style. Ouais, j'appuie sur. Ah voilà. On doit. Ouais. On va regarder le ça avant de faire des conneries. Parce que bah, j'ai pas envie de faire de bêtises, n'est-ce pas? Et du coup, voilà. Parce qu'en fait, on peut changer. Ah, on peut faire de la couleur, de l'ombré, de l'italique. Ah ouais, trop bien! Ah ouais, trop bien! Alors attendez. Bah, on fera une revue là-dessus en vidéo. D'accord? On fera un crash test et puis des essais en vidéo. En vidéo. Et je pense que ça va être cool parce que, vous voyez, elle a l'air trop bien. C'est la lettre à tag XR. Donc, bah, écoutez, à voir ce que ça donne. On fera des tests en vidéo. On fera un petit crash test dessus et comme ça on verra toutes les possibilités qu'on peut faire avec cette machine. Mais je pense que pour mon journaling, ça va être trop bien. Soyons clairs. Bon, bah écoutez, cette vidéo touche à sa fin. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt et surtout, surtout, prenez soin de vous. Allez, bye bye.